Salut à tous, c'est Laratator, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi, comme tous les jours, ça va extrêmement bien. On se retrouve donc aujourd'hui à nouveau pour du League of Legends. Rappel, on est à 91 PL dans le Silver 2. On est aux portes du Silver 1. Encore faut-il gagner une game et avoir les deux victoires dans le BO. C'est ce que l'on verra bien ce soir. En tout cas, on part directement en recherche, faut être comme toujours ADC ou top. Après tout, vous connaissez à force les rôles. Ça ne change pas. Donc voilà, on est en recherche. Donc directement pour ce premier game. On est donc à 20 secondes. Pour l'instant, ça va. C'est le début. Est-ce qu'on va trouver une game rapidement? C'est la grande question. C'est ce que l'on verra en tout cas. Alors. Je finis très rapidement mon café. Quasiment fini. J'espère vraiment que vous avez passé une bonne journée. C'est très chaud en tout cas sur Angers, je trouve. Vraiment de bonnes températures. Maintenant que je travaille, c'est génial. Hein. Bon, pas tout, j'ai la clim où je travaille, ce n'est pas un gros souci. Alors déjà une minute de recherche, tranquillement. Pas de souci particulier. On attend patiemment pour cette donc première game. Game qui va être décisive. Donc j'ai pas encore joué aujourd'hui. Hein, je vous rappelle en général quand je commence, j'ai pas encore joué. Donc la petite partie, on va essayer. Première partie, on va être allez mollo, mais en essayant quand même la win, hein, bien évidemment, c'est l'objectif. Je vous rappelle. Et donc. Et donc on se rapproche du temps estimé, je pense qu'on va le dépasser. Et donc le temps estimé est dépassé. Voilà. Donc, est-ce que le temps trouver une game va être long? Bah apparemment un peu quand même. Pas de soucis. Pas de soucis pour moi. Je n'ai pas peur. On est Silver 2, on est presque Silver 1. Moi, je suis motivé. Là, ça me fera plaisir de passer Silver 1, même Gold prochainement. Espérant y arriver, mais je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Alors, par contre, je vous dis, hein, une fois que j'atteindrai le Gold, il se peut que je mette un peu les games. J'ai pas plus d'objectifs pour cette saison qui est presque terminée. D'ailleurs, c'est quand la fin de saison? Je sais plus exactement. Mais je pense qu'on s'en rapproche. Cette match trouvé match accepté. Voilà, ce serait vers novembre. Ok, on demande Jinx. Est-ce que le Horn va être présent dans cette game? C'est bien possible, il a. Le jungler, par contre, j'en suis vraiment pas convaincu. À voir. Ok, on voit une Vayne, c'est vrai qu'il y a un champion en plus, donc ça, c'est des Blaze Lane. Pas surprenant du tout. Alors, nos 5 bans sont faits. Confirmé pour ma part, Soraka confirmé pour mon support. En vrai, j'ai vraiment hâte de le voir. Ça peut être un bon bonus, je vous rappelle. L'amélioration de l'âme d'Af, par exemple.
Et le horn est confirmé. En tant que jungler, mais il est confirmé. Un Malphite top, très bien. Alors, beaucoup de contrôle. Clairement, le horn joue bien. Je pense qu'on a une win. Parce que vu la puissance du champion, il n'y a aucune raison que l'on ne gagne pas. Je commence déjà à dire des petites choses comme ça, bien évidemment. Moi, j'attends de voir. Donc, on est contre Lucian Nami. Si le Horn, clairement, s'en sort bien sur le perso, qui est pas le plus dur à prendre en main de ce qu'on a vu, hein, clairement. Peut-être comment bien mettre les sorts dans le bon ordre, ça peut être le seul petit point. Et voilà. Hein. Ok. Donc, le chargement arrive. Hein? Ok. Le chargement qui est un peu long pour la première, comme souvent. Et le chargement arrive bel et bien. Un corps qui arcade dans les récents. Très bien. Très très bien. Bon, il a Fulguro Horn, hein, il a acheté le pack, je pense. Et donc, le chargement va se terminer. Et bientôt, je pense. Là. Le Wukong ici, que l'on attend toujours, c'est le seul que l'on attend, avant de pouvoir lancer. Est-ce que c'est une Soraka qui joue agressive? J'aimerais bien. Ça marche plutôt pas mal, je trouve. Ça colle bien mon style de jeu. C'est ce que l'on va voir. On voit clairement. C'est quoi la suite? Tirer sur des trucs? J'adore tirer sur des trucs! Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Et salut! T'as 20 minutes d'attente à chaque game? Comment ça t'as 20 minutes d'attente? Pourquoi donc? Attention! Mes flingues commencent à s'impatienter! Ah, ça va me faire plaisir quand même. Des sbires sont apparus. Ça va vraiment me faire plaisir celui-là. J'ai hâte de voir. Il passe priorité. Moi, dans tout cas, ça va être ma game. Alors. Méfiez-vous des paillettes.
Donc elle a commencé au heal. On va jouer avec. Ça au moins on le sait. Je me sentirais presque coupable. Je vais essayer de faire ça sans douleur. Bon, pas de soucis pour l'instant. Lâchez la bête! Je me sentirai presque coupable. Attention! Mes flingues commencent à s'impatienter. Ça va être la guerre des étoiles! Ok. Allez, première game. Mettez-vous des paillettes. Je suis accro à ces trucs. Bon. Oh non, m'oblige pas à enfreindre le code des gardiens. Oh, je joue mal. Premier sang. Ah, j'ai du mal à farm là. C'est rien de personnel. Je suis obligé de t'atomiser. Je vais essayer de faire ça sans douleur. C'est pas vraiment mon idée de ce qui est magique. Alors. Ça va être la guerre des étoiles. Ok, on est pas mal pour l'instant. Donc il fait la traîne en farm. Désolé, c'est la première étoile qui m'a forcé. C'est ça le plus cool quand on est gardienne des étoiles. C'est bien beau d'avoir la tête dans les étoiles, mais parfois, faut laisser parler les flingues. Voilà. Ça va être la guerre des étoiles. Shiro et Kuro sont prêts à entrer en action. On va en perdre encore un petit peu. Ok. Alors. C'est ça le plus cool quand on est gardienne des étoiles. Méfiez-vous des paillettes. Ça va être la guerre des étoiles.
été tué. J'ai horreur d'être cruel, mais... Bon, bah, pour l'instant, on est pas mal. En fait, j'adore ça. C'est rien de personnel. Je suis obligée de t'atomiser. Un ennemi. Un ennemi a été tué. C'était pas moi, mes flingues agissent tout seuls. Désolée, c'est mon devoir de te détruire. Ouais, je crois que je suis née sous une bonne étoile. Ah voilà. Pareil au décollage. Toi-même, je suis là pour ça. Sois pas jaloux, Shiro. J'aime mes deux flammes. Le meilleur ami du gardien des étoiles. Finissons-en. Fille d'étoile, fille d'étoile, détruis tout, détruis tout. La première étoile dit que tout est prévu. Mes flingues commencent à s'impatienter. L'ennemi a été tué. C'est la première étoile qui m'a forcé. Un allié a été tué. Dis bonjour à mes petits potes. Shiro, c'est à toi. Et dire que un ennemi a été tué. Je me sentirais presque coupable. On la voit back. Alors, on va commencer par ça. Prendre ça, comme toujours. Enfin, on va quand même commencer de la même manière, même ce petit rendu, cette petite et potion rechargeable. Mais on est bien, je trouve. Ah, on est bien, on est pas mal du tout. J'étais plus étant en 1v2 quoi. Oups, j'ai oublié de lire mon manuel de gardien. Je me bats pour la paix, la justice et peu importe. Je vais essayer de faire ça sans voilà. Douleur. Promis. Oh,
avec toi-même. Je suis là pour ça. Un allié a été tué. Étoile fatale. Un ennemi a été tué. Des flingues et des flingues. Ça, c'est un combo qui tue. Vous avez été tué. Doublé ennemi. Voilà. Je fais de la merde là. Non, j'ai toujours aimé les soirs à 4. Et là, pas grand chose, je trouve. Me revoilà. Je vous ai manqué. Quoi? Tes flingues te parlent pas? Ah, ok, il a la. Votre équipe a détruit une tourelle. Le rayon stellaire, tu vas le sentir passer. Être un héros, ça casse l'ambiance quand on se bat. Maintenant, je peux tout voir. Un allié a été tué. Et dire que j'ai été choisi pour faire ça, c'est dingue. Un allié a été tué. Déjà? Carnage ennemi. Putain, mais ça fait mal cette merde en fait. J'ai trop de la merde. En fait, je sais pas, je suis. Interruption. Bon. Vous pouvez pas battre une gardienne des étoiles. Quoi? Tes flammes te parlent pas? Carnage. Wow. Un allié a été tué. Voilà. Je suis pas sûre d'aimer ce costume de gardienne des étoiles, moi. Désolée, c'est mon devoir de te détruire. Méfiez-vous des paillettes. Des flingues et des paillettes. Ça, c'est un combo qui tue. Oh non! M'oblige pas à enfreindre le code des gardiens. Interruption. Désolé. Un allié a été tué. C'est la première étoile qui m'a forcé. Protéger l'univers, une requête à la fois. Désolée, c'est mon devoir de te détruire. Est-ce que la première étoile doit subir autant de paillettes, elle aussi? Je vais essayer de faire ça sans douleur. Oh,
étoile doit forcément la jouer fair play. Ça va être la guerre des étoiles. Alors. Est-ce que la première étoile doit subir autant de paillettes, elle aussi? Un ennemi a été tué. Je vais essayer de faire ça sans douleur. Votre équipe a détruit une tourelle. Des flingues et des paillettes. Ça, c'est un combo qui tue. Ça va être sympa. De se récupérer ça. Tu t'es levé de la patte gauche. Allez, on est bien là. On est remonté. L'équipe a détruit une tourelle. Ça va être la guerre des étoiles. J'ai horreur d'être cruel, mais... Oh, attendez. En fait, j'adore ça. En fait, j'ai pas back plutôt pourquoi? Parce qu'il y en avait une. Pourquoi t'as pas back avant? Bah, sur quand elle est en train de back, en fait, que ça allait annuler son back. Le point de vie, et puis bah voilà. Allez.
vrai là c'est jaune. Oui. Attends. Est-ce que la première étoile va subir autant de paillettes, elle aussi? Bon. On va se tenter ça peut-être plus tôt que prévu. On verra. 1500 pourra se l'acheter. Hein. Si j'ai 1500, je pense que je l'achète. On verra. Non, on verra. Il y a quoi 500? Ah oui, il est bien dans ce style. Alors, je commence par ça. Votre tourelle a été détruite. Vous pouvez pas battre une gardienne des étoiles. Je me sentirai presque coupable. C'est vrai que je suis assez mauvais là. Qui veut jouer à cache-cache boum des morts? Je pense qu'on peut la gagner clairement. C'est rien de personnel. Mon objectif est que ça, normalement, on gagne. Bon, moi, il me faudra des golds. Hein. Viendra.
Moi j'ai besoin de faim. Meurtre en série ennemie. J'ai été choisi pour faire ça. C'est dingue. Désolé, c'est mon devoir de te détruire. Allez. Je peux pas en avoir un. T'as pas intérêt à gaspiller ça. Dis bonjour à nous. Votre tourelle a été détruite. Désolée, c'est la première étoile qui m'a forcé. Méfiez-vous des paillettes. Votre tourelle a été détruite. Bah moi c'est bien là, le petit quadra, hein. Et je rentre chez moi. Ah. Je crois que je rends pas à me plaindre là de ce qui s'est passé. J'ai un cadeau pour toi, Kuro. L'autre il doit être deg. Hop, ça je suis toujours là en fait. J'ai été choisi pour faire ça. Ouais, pas encouragé ça. Quand même 30 en plus. Avoir les 1500 dans le prochain bac. Des flingues et des paillettes, ça c'est un combo qui tue. Subir autant de paillettes, elle aussi.
Pas tellement de tankiness. Des flingues et des paillettes. Ouais, déjà, d'abord prendre, je pense. Autre chose. C'est rien de personnel. Je suis obligée de t'atomiser. Putain, mais les gars, sérieusement. Voilà. Ce Corki qui se fait catch parce qu'il est solo alors qu'on est tous groupe ailleurs, ça me tue quoi, ça. Un jour, j'ai quand même honoré le horn, il était pas dégueu, mais. Intentionnel. Alors. Ok. Parfait.
chance. Ok. On y retourne, c'est pas... Moins 20! Oh, wow, ça fait mal, ça. Allez. C'est pas grave, ce n'est qu'un jeu, je vous le rappelle. No problem. Voilà. On reste qu'un century. Et... patiente. Alors. C'est vrai que c'est chiant vu que le corps qu'il avait mass kill, donc il pouvait faire avoir un gros poids, mais au final il avait rien. Enfin bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ok, on a un match. Autant estimer pile. Donc. Toujours. Le bat de veille. Ok, je suis pas trop. On aura sûrement plus. Champion qui me... Ah, vraiment très très bon. En queue ne l'est pas. Je vais avoir ma Jinx. Essaye du Trissala. Bien. Moins un counter de Jinx. Mais notre team est très intéressante tout de même. Alors... Une amie support encore.
Gina et Mead. Donc à Malphite. Malphite peut être jungler et Poppy aussi. Les deux sont équivalents. On verra bien. Moi je fais des Malphite jungler. Alors. Comment est-ce que ça va se passer? C'est vrai qu'on est quand même deux victoires pour dire d'atteindre un. C'est bien une Poppy jungler. C'est pas non plus des junglers, donc ça passe, je pense. Alors un peu plus. Et ça ne veut rien dire encore une fois. On peut créer la surprise. Alors, notre top arrive. Honnêtement, le Cho'Gath s'en sort, je pense, face au Malphite. Surtout qu'en plus, ça va être chiant pour lui de la paix, de la D à protéger. Quand il est temps que c'est pas ce qu'il y a de mieux, et pas trop quoi prendre. Alors, dans tous les cas, 50%. On attend son chargement. Honnêtement, on peut la gagner. Ça dépendra de. Ça va dépendre déjà de la Tristan. Tristan, c'est pas mauvais. Ça va dépendre de Cho'Gath s'il s'en sort sur sa lane. La Shyvana si elle est pas mauvaise. Alors, Ahri contre Orianna, c'est un peu du kiff-kiff. Je dirais qu'Ahri peut avoir l'avantage de pouvoir esquiver un sort d'Orianna. Et donc, potentiellement, si tu esquives une Shockwave, tu peux retourner totalement hein, parce qu'elle a plus rien. Ah là encore ces dégâts base mais fortement limité. Alors le Cho'Gath est extrêmement long à charger hein. Ça c'est la vie. On a le temps. We have the time. Yeah. Ah, 59%, il a progressé. Bon. On se rapproche du 100%. Hein.
qu'il va avoir des critiques sur lui. Ça m'étonnerait pas. Alors, c'est long, hein. Oh que c'est long. En plus, c'est surtout que ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu un chargement si long, ça me fait bizarre. Ok. Bon bah voilà. Je sais pas s'il est là ou pas. Un invocateur s'est reconnecté. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. On est en mission, mais je ne rate plus la tour. Trente secondes avant l'apparition de Sbire. Un invocateur s'est reconnecté. Ok. Des sbires sont apparus. Ok, 20 secondes. Rien n'échappe aux rayons stellaires. Gardienne des étoiles à la rescousse! J'ai l'air crédible. Des flingues et des paillettes. Ça, c'est un combo qui tue. Pour la beauté. Ok. Qui se sent d'humeur féroce? Je me bats pour la paix, la justice et peu importe. Le code des gardiens. C'est ça le plus cool quand on est gardienne des étoiles. Gardienne des étoiles à la rescousse. J'ai l'air crédible. D'humeur féroce. Oh non! N'oblige pas à enfreindre le code des gardiens. Et dire que j'ai été choisie pour faire ça, c'est dingue! Bonjour à mes petits potes.
plus cool quand on est gardienne des étoiles. Voilà. C'est rien de premier sang. Je suis obligée de t'atomiser. Être un héros, ça casse l'ambiance quand on se bat. Ouais. Méfiez-vous des paillettes. Lâchez la bête. Un ennemi a été tué. Je me sentirai presque coupable. Attention, mes flingues commencent à s'impatienter. Dis bonjour à mes petits potes. Voilà. Par contre, là où je suis content, c'est que t'as une Harry. Gueule. Ça va être la guerre des étoiles. Méfiez-vous des paillettes. De se mettre pas trop mal. Donc, je suis pas sûre d'aimer ce costume de gardienne des étoiles, moi. Si dur avec toi-même, je suis là pour ça. Kubo, c'est à toi. Notre lumière est à fin. Des flingues et des paillettes. Ça, c'est un combo qui tue.
Je me sentirai presque coupable. Le rayon stellaire, tu vas le sentir passer. Voilà. My life. C'est pas trop grave. Honnêtement, on a failli avoir la popularité sur des. Dis bonjour à mes petits potes. Vous avez tué un ennemi. Okay now. C'est ça le plus cool quand on est gardienne des étoiles. Gardienne des étoiles à la rescousse. J'ai l'air crédible. Un ennemi a été tué. Un allié a été tué. Ça brille. Est-ce que la première étoile doit subir autant de paillettes, elle aussi? Sois pas si dur avec toi-même. Je suis là pour ça. Gourmand les gars. C'est rien de personnel.
Je suis obligée de t'atomiser. Allez. Détermination. Votre équipe a détruit la tourelle. Shiro, c'est à toi. Ok. Dis bonjour à mes petits potes.
que la première étoile doit subir autant de paillettes, elle aussi? C'est rien de personnel. Je suis obligée de t'atomiser. En vrai, je vois, quand je vois comment elle perd la vie, j'avais mon ult. Tirer sur des trucs? J'adore tirer sur des trucs! Ok, 2 pour 2, c'est ok, sachant qu'on push en plus derrière. Votre équipe a détruit une tourelle. Vous pouvez pas battre une gardienne des étoiles. Ok. Le rayon stellaire, tu vas le sentir passer.
J'ai pas signé pour être une tueuse de dragons, moi. Voilà. Mon de battre, sérieusement, vous êtes chiant les gars. Désolé, c'est la première étoile qui m'a forcé. C'est quoi la suite? Tirer sur des trucs? J'adore tirer sur des trucs! Je suis pas fait chier. Protéger l'univers, une requête à la fois. Le rayon stellaire, tu vas le sentir passer. Est-ce que la première étoile de l'option? Votre équipe a
été tué. Votre équipe a détruit une tourelle. Vous avez tué un ennemi. Ok, GG, well play. That's a win. Ah oui, il était pas dégueulasse. J'arrive, normalement j'aurai un honneur. Au moins un, voire plus. Voilà. Un. Ok, j'ai perdu 20 et je gagne 10. C'est bien. Ça me plaît quand même. Intéressant de gagner au moins 10. On est. Alors on retourne à DC ou top. Et oui, je trouve que c'est plutôt pas mal hein, ce qui se passe là. Soyons honnêtes, on s'en sort plutôt bien. Oh déjà bah on est avec les mêmes pièges. Genre les mêmes dans la zone de notre équipe. Ensemble. Aïe. Je vais me dépêcher pour faire ma cigarette et fumer ou je vais prendre un petit peu de temps pour valider. Puis. L'habitude d'attendre. Imbéciles impurs. Demande la game comme ça que le Horn tire depuis longtemps en fait. Mais bon, allez. Bah, Horn ban. Faire des ors de bord si on veut. Ça me choque pas qu'il soit bad, on va voir. Le champion vraiment OP, s'il est un minimum bien joué, je pense qu'il est super OP. Alors, le premier champion chez eux est. Personne. Regarde, j'espère que c'était pas bon jogada d'avant, il était. Alors. Pourquoi pas. Ouais, ça retourne à fight. Faut bien savoir que quelqu'un ça le tue, hop, la zone de heal et puis ouais. La régène de Fiora est non seulement insane mais en plus pour tout le monde. Pour la team. Donc elle est doublement insane en fait. Le blanc, ça fait longtemps dis donc que je t'ai pas vu le blanc. Bon, est-ce que tu joues bien ta le blanc? Un Timo. Une triste. En plus, c'est le trash, il joue bien. Et un blitz. Trash, c'est intéressant. Grappe. Par contre, à confirmer, je me demande si ce sera pas un Shogun.
La Shoga 2, quoi. Un truc que j'ai jamais vu, genre Aiko. Mais bon, j'ai confiance en cette game. Allez, la game se lance. En tout cas, le chargement de la game est plutôt bon aussi. Donc, tu vas vouloir jouer aggro. Donc au début, attention, hein. Ça me défonce. Dans l'île, c'est clair. Attention, ça dépendra des grappes, etc. etc. Et c'est bel et bien un Shogat Jungler. Ok. Très très bien, même pas peu. Alors, pour voir une bait, c'est bien possible. Si on gagne là, on atteint le BO. Ça, ça peut être vraiment cool. Ok, go! Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Tu veux jouer à cache-cache boule des morts ? De ce qui est magique. Ok, bon. Tu as rien passé. Hein. En gros. Hein. Des sbires sont apparus. Bon. Je pense qu'on l'a déjà bien aidé. Désolé, c'est mon devoir de te détruire. Shiro, c'est à toi. Je me bats pour la paix, la justice et peu importe. Ok. Ok.
Qui se sent d'humeur féroce? Personnel. Je suis obligée de t'atomiser. Le rayon stellaire, tu vas le sentir passer. À 5 de farm. Shiro et Kuro sont prêts à entrer en action. Je te faisais confiance pour l'avoir. Oh non. N'oblige pas à enfreindre le code des gardiens. Alors, elle est pas bonne en farm, hein, ça c'est rassurant. Patience, Shiro. D'après la première étoile, c'est une qualité. Sois pas si dur avec toi-même. Je suis là pour ça. Le rayon stellaire, tu vas le sentir passer. C'est pas vraiment mon idée de ce qui est magique. Oh, ça me fait du lastique, là. Attention à ne plus trop louper de lastique. C'est ça le plus cool quand on est gardienne des étoiles. Je me sentirais presque coupable. Premier sang. Ok. Belle nuit, toi. Ça va être la guerre. Un allié a été tué. Ça, c'est moi. De te détruire. Tu vas le sentir passer. Ok, qui se sent d'humeur féroce? Attends.
ça le plus cool quand on est gardienne des étoiles. Désolée, c'est mon devoir de te détruire. On va vous jouer un petit level 6 en fait. Et ce n'est pas le cas. Mettez ça sur mon ardoise de gardienne des étoiles. Viens me chercher. T'inquiète pas, gros. Ton heure viendra. Qui m'a forcé. Écart. Un creep d'écart. Ah, vous attendez mal. Le rayon stellaire, tu vas le sentir passer. Vous préférez quoi ? Compassion ou chaos ? Je me sentirai presque coupable. Des flingues et des paillettes, ça c'est un combo qui tue. Un ennemi a été tué. Les nouveaux sont prêts à entrer en action.
Je me sentirai presque coupable. Le rayon solaire, tu vas le sentir passer. Bon. Ouais, je crois que je suis née sous une bonne étoile. Désolé, c'est la première étoile qui m'a fait. Un allié a été tué. Double ennemi. Voilà. Ok, qui se sent d'humeur féroce? Protéger l'univers, une requête à la fois. Carnage ennemi. Votre tourelle a été détruite. Voir.
Voilà. Je suis pas sûre d'aimer ce costume de gardienne des étoiles, moi. C'est rien de personnel. Je suis obligée de t'atomiser. Oula. Pourquoi les gardiens des étoiles doivent forcément la jouer faire plaisir? Votre équipe a détruit une tourelle. Je suis là pour ça. Je prends mes flingues et je rentre chez moi. Pas le meilleur Herald que j'ai vu, mais well play. Pas dégueu. Mettez ça sur mon ardoise de gardienne des étoiles. On va quand même partir là, direct. J'ai horreur d'être cruelle, mais. Oh, attendez! En fait, j'adore ça! Je vais pas me manquer grand chose pour. À ce niveau. Ok, elle prend pas de vitesse d'attaque pour l'instant par ça. C'est dommage puisque c'est bon, si elle peut les activer. Bon, ça fait. Dire que j'ai été choisi pour faire. J'ai récupéré ça. Deux kills, donc c'est on est revenu en pareil en score sauf en tourelle. C'est pas mieux. Voilà. Désolé, c'est mon devoir de te détruire. Je me sentirais presque coupable. Alors par contre, t'es en retard, t'XP mon coco là. Quand on est gardienne des étoiles. La première étoile.
étoile dès que tout est fini. Moi je back, hein, vraiment. C'est plus... Ça me plaît, Shiro. Votre tourelle a été détruite. Attention, mes flingues commencent à s'impatienter. 1-4-4, hein. C'est pas mal. Juste là, le blanc, le écho, il est pas mal. Et ici, bah voilà, je l'ai dépassé. Et... en plus, faut dire d'avoir un petit peu plus d'image. Non, elle est pas bien par rapport à moi. Qu'elle a 5 armes. Ah, et on s'est en même remonté en kill, en toile, donc c'est pas encore ça. C'est parti. Me voilà. Qui veut jouer à cache-cache boule de mort? Je suis pas sûre d'aimer ce costume de gardienne des étoiles, moi. Votre tourelle a été détruite. Un allié a été tué. Guys, vous faites quoi là? On vient de faire deux tourelles sur une merde de votre part. Hein. Et bon. C'est ça le plus cool quand on est gardienne des étoiles. Et tourne, et tourne. C'est pas vraiment mon idée de ce qui est magique. Ah oui. Rien n'échappe aux rayons stellaires. Quoi? Tes flingues te parlent pas? Alors, faites un peu tendre avec cette game, je pense que je veux dire. Si dur avec toi-même, je suis là pour ça. Non, Kuro, moi je suis la gardienne, toi tu es le flingue. Il y a un petit thème, un passage. Ah non, c'était le nage qui...
me sentirai presque coupable. Voilà. T'inquiète pas, Kuro. Ton heure viendra. Ah, pour l'instant, ils se font plaisir avec ces drags. Un ennemi a été tué. Ça va être la guerre des étoiles. Ah. Ok, on est bon. On va mettre un petit peu de push en plus ici. Qui veut jouer à cache-cache boum t'es mort? Ils ont niqué leur nageur assez vite sans prendre d'objectif, ça c'est vraiment le bon point. Un allié a été tué. Pourquoi les gardiens des étoiles doivent forcément la jouer fair play? Ah. Ça.
Marseille. Hein. Ok, il était un peu con le Timo. Ouais, c'est ma dernière. Mais oui, je n'avais pas répondu avant. Je faisais plus gaffe à ce qui se passe. C'est bon. The last one, it's a win. On atteint le BO. Et puis voilà. Donc, je vous rappelle, hein, je réduis le rythme à 3 games par soir. Simplement, ça fait une durée à peu près pas trop mal. 2 heures, un peu plus. Et c'est Johnny GG. Série mise à jour. 14-3-8. Graphique.
Ah, ok. Ouais, avec pas mal de dégâts, mais moi. C'est vrai qu'il a pas fait grand chose en soi, mais bon. Voyons voir. Ouh, je suis clairement 14, ça fait quoi? Ça fait 22 kills. Un très bon score. Bon, allez. Donc, comme je veux dire, on s'arrête là. Donc, en tout cas, merci à tous ceux qui sont venus. Comme toujours, ça fait extrêmement plaisir. Je vous donne rendez-vous demain pour le BO. Demain soir, 20h. Soyez au rendez-vous pour ce BO. Qui sera, je l'espère, gagné. Tout de même, hein. Passer Silver 1. Se rapprocher encore plus de ce Gold. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée, une bonne nuit. Si vous allez vous coucher, c'était Laratator. Des bisous tout le monde.